Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Salam, salam. Et de Younes. Salam. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo. Ça va être tout simplement un Yes Man Challenge. Il va y avoir plein de défis tout au long de la journée. Vous allez voir, ça va être incroyable. C'est parti. Dans ce Yes Man Challenge, ça va être vraiment particulier parce que chacun d'entre nous va avoir un Yes Man. Je commence, Yacine, Myriam, et ça s'enchaîne comme ça. Le premier qui craque, il a perdu. Comment ça, c'est lui qui commence? Je crains le pire. Pour le premier Yes Man, Yacine et Myriam vont devoir se cacher dans toute la maison. Le premier que je trouve, il va souffrir. Oh là là. Moi, me cacher, de toute façon, c'est mon délire, donc c'est parti. Vas-y, je vais aller me retourner. D'abord, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de se cacher en dessous des lits? Tu fais ce que tu veux. J'ai mis mon maillot à l'envers. J'ai mis ton maillot à l'envers à ton âge. Oh là là. Tu sais, j'ai remarqué, mais je voulais pas le dire. Un jour, j'étais en classe, j'ai mis mon pull à l'envers. Tout le monde me regardait. C'est un pull. Mais comment t'as mis ton pull à l'envers à ton âge? Je sais pas, j'étais pressée le matin. Ah, Younes, par contre, pour compter, tu mets ta tête dans le micro-ondes et tu bouges pas de là. Non, t'inquiète pas, je vais pas. T'inquiète pas. Tu bouges pas de là. 1, 2, oh là là, c'est parti. 3, 5, 6, 7. J'arrive! Où est-ce qu'ils sont cachés ceux-là? Là, je commence par cette première porte. Je suis sûr qu'il y a un mec derrière la porte. Non, il n'y a pas de mec derrière la porte. Bon, je pense que les toilettes, ils n'ont pas dû y aller. Parce qu'on n'a pas le droit de parler aux toilettes. Ah, dans cette chambre, peut-être qu'il y a quelqu'un, les gars. Dans le placard! Non, il n'y a personne. Wesh, ils sont trop bien cachés, je vois personne. Ils ont pas dû sauter quand même, c'est pas possible. Non, ils sont pas sortis quand même. Deuxième pièce. Eh, j'arrive, je sais que t'es dans cette pièce. Je sais que vous êtes dans cette pièce. What? Non, y'a personne. Bizarre ce truc. Derrière la porte? Wesh, y'a quelqu'un ici là. Ah, y'a quelqu'un. Hé! Mais ils sont cachés où? C'est fou! Viens. Je peux pas y en train de courir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la valise? Wesh, ils sont où? Peut-être que j'ai mal cherché. Quelqu'un a bougé ici? Vous voyez ce que je vois ici? Mais c'est une blague. Ah, Myriam! Je t'ai grillé en premier. Et c'est qui? Il m'a poussé. C'est qui? Yacine, il est où? Tu m'aides à le retrouver? Ok, derrière la porte. Derrière quelle porte? Elle. Mais non, j'ai regardé, il y était pas. Ninja! Je n'ai pas. Oh là 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 là! Comment t'as fait? Je t'ai dit de venir après écouter. Mais ouais, j'ai regardé derrière la porte. Alors en fait, au début, j'étais derrière le rideau là. Et une fois que t'es venu, je savais que t'avais un doute ici du coup. Quand t'es parti, je suis reparti là, je me suis mis derrière la porte et je disais à Myriam, viens avec moi, viens. Mais vous voulez pas m'écouter. T'as perdu. Et je l'emmène dans un magasin où il y a que des produits rares qu'il n'y a pas en France. Je vais devoir me prendre tout ce que je veux. En France, ça n'existe pas ici. On a des chips ultra piquantes. En vrai, je vais essayer de prendre un vrai truc qu'il n'y a pas en France. On va prendre. C'est quoi ça? Des chips bleus? Par contre, c'est cher, c'est 5 euros. Il n'y a pas des. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les gars? Des Mikado en mode Oreo. On a le goût chocolat et le goût chocolat blanc, bien évidemment. On va prendre le chocolat blanc, bien évidemment. Wesh! On est trop fou, les gars. Kit Kat au goût spéculoos. Mais t'as ça en France? N'importe quoi, il y a pas ça en France, dis pas n'importe quoi. Ah bon, en fait, c'est du crolet. Mais ils arrêtent plus. Regardez. Mais les gars, il y a que des trucs rares, regardez. Ça, c'est qu'aux États-Unis d'Amérique qu'il y a ça. Putain, moi, tous les Hershey. Chocolat noir, chocolat. Je suis à mon prime. Prends-en une. Putain, moi, c'est combien? 33. Tu vas assumer? Est-ce que t'as assez d'argent? Bon sang. Mais au pire, il y a celle-là à 6 là-haut. Ah si, ouais. C'est pas prime du coup. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas gâteau bon. Gâteau rad. Oh, là, ils ont ketchup. Allez, ça coûte combien? 7 euros, 7, ça fait 1 euro, 2 euros quoi. Ah, moi je peux pas, j'ai que 20 euros. Reviens. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Arrêtez. C'est un yes man, t'es obligé de payer, mec. Vas-y, au pire, je te rajoute un peu. Rajoute bon. Combien? Je te rajouterai, t'inquiète. J'espère qu'elle a au moins 100. C'est carré en fait. La YouTube money. Je vais cacher ce paquet de mouchoirs et vous devrez le retrouver. Le premier qui le retrouve, il a gagné la première épreuve. Ok, c'est parti. On va retrouver ça tout de suite. On va perdre le yes man. Un indice. Moi, ça brûle. Un indice. Il est là, je le savais. Tu sais comment je t'ai cramé? Comment? Je suis trop intelligent. Quand elle est rentrée dans la salle, elle a regardé directement là-bas. Et vu que Myriam, c'est une petite chippie, j'ai trouvé le paquet de mouchoirs. Va voir. Yacine, il y a un problème. Je l'ai trouvé. Il était où? Elle a regardé là-bas dans la pièce. Il était là-bas, 1-0. Pour bien me venger, je vais lancer un défi à Younes et Yacine. Vous devrez faire la course dans le couloir. Ça va être une question
d'acclétité. Par contre, c'est chaud, il y a les maîtres ménagers dans le couloir. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Dans ces trucs-là, normalement, je suis le plus fort de la famille. Par contre, la bourse, c'est pas en mode course, c'est en mode léopard. Hein. Ok, y'a triche, y'a triche. Y'a triche, y'a triche, y'a triche. Le coup est accordé à l'adversaire, y'a triche. Y'a triche, t'as couru, je t'ai vu. Sinon, est-ce que t'es prêt là? Regarde mes lunettes. Non. Tu sais ce qui va t'arriver? Je suis pas prêt. T'as vu là, t'es habillé comme ça, il te manque quelque chose pour ressembler vraiment à un Saoudien. Regardez, j'ai du sable dans mes claquettes. Tu vois le béret rouge dans la tête que tous les Saoudiens ils ont là? Oh non. Tu vas acheter ça comme un vrai. Le skin de ce bois surfer qui coûte 200 000. Voilà, tu vas acheter ça, vas-y, rentre dans l'ascenseur. On va faire toute la vidéo avec. Miriam, elle m'a fait grave peur avec sa tête. Mais la carte. Ils sont grave stylés. Attends, tu sais que moi aussi j'ai des lunettes comme toi. Mais mettez la carte, on va rester bloqué. Mais non, on n'a pas besoin, t'as vu son EG. Oh non, il monte. Il y aura des gens qui vont venir. Oh, mais je t'ai dit d'appuyer. Et puis j'ai quand même, moi c'est notre couleur. Toi t'as bleu, toi t'es team 2. Toi t'es team 2. Oh, bah, je suis rose. Oh, on est au 8ème, les gars, ça vient. Force à toi, hein. Faut que tu trouves ça rapidement. Si tu trouves pas ça rapidement, j'augmente le défi, frère. Ouais, allez, je trouve pas, y en a pas, Yonet. Si, y en a, c'est sûr. Faut que tu demandes. Au pire, on prend le truc rouge. T'as dit quoi, Myriam? Au pire, on prend le truc rouge. Salam alaikum. Oh, thank you. Que ça t'interpelle. Ils veulent grave que t'ailles dans leur magasin, ça va leur faire de la pub. Ouais, ils veulent que tu filmes grave dans leur magasin, ouais. Je peux pas manger ça, moi, c'est pas possible. Ah, ouais, si, c'est que des bons becs. C'est pas ici. Bah, du coup, c'est pas ici. Ça y est, on a trouvé, les gars. C'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Et il va se transformer en Saoudien là. Qui met autour. Hop. Il va avoir grave du flow. Après il met ça là-haut. Incroyable les gars. Le prince Yacine. Et le prince Yacine. Et le prince Yacine. Regardez le prince. Ah ouais, c'est toi en fait, c'est moi, ouais. Je dis la vérité, je me sens trop bizarre, frère. Oh là là, j'ai grave le seum, je voulais le mettre dans l'embarras, mais en fait il est bien. Et là, du coup, je vais devoir rester comme ça toute la journée. Tu restes comme ça toute la journée. Oh là là. Là, t'as vu, là, il y a du soleil, mais je sens pas le soleil qui tape sur ma tête. En fait, ça sert à ça. Mais par contre, on dirait, les gens, ils me regardent genre trop chelou. Genre, en mode, c'est qui lui? Il joue à quoi avec son foulard là? Au contraire, t'habites ici maintenant. T'es un mec d'ici maintenant. On va à la mosquée maintenant, Harry. On va lui chercher une femme, Inch'Allah. Ça y est, t'habites ici maintenant. Trouve un logement bien à côté des montagnes là tout en haut. Ouais. Là, il y a les voitures de police. On est en retard pour la mosquée à cause de vous, là. On n'est pas en retard, il vient d'Aden, ça veut dire qu'il faut aller à la mosquée. Est-ce qu'on va réussir? Mais avance Est-ce qu'on va réussir, sachant que Myriam, faut que tu prives à côté de nous. Hein. Elle va prier à côté de nous, elle est obligée. Elle va prier à côté de nous, je sais pas comment on va faire. Vas-y, go, bombarde. Est-ce que tu m'autorises à enlever ça pour la prière? Moi, ouais, je vais me prosterner, ça va tomber et ouais, tout. Vas-y. On a réussi à trouver un endroit pour la prière, on Désolé, est bien. Je t'ai oublié d'enlever. Myriam, elle a grave peur de se faire virer. Mais je pense comme elle est petite, ils vont pas nous dire en mode les femmes, ils ont pas le droit de prier là. Donc normalement c'est carré. Hey, par contre toi t'as bronzé et moi j'ai juste rouge. Ouais, vous avez vu, moi en fait je suis moi aussi j'ai bronzé. Quand il y a le soleil, moi je bronze grave vite, je sais pas pourquoi. Genre la théma ça bronze hyper vite, mais toi tu restes tout blanc comme un doliprane. C'est la maladie. Doliprane, pas la maladie, c'est juste que tu restes pas une calvitie. Elle est 15h59. Ah, de dire ça à chaque vidéo, t'as une calvitie alors. Aussi, alors. Oui, je m'en fous. Il est 15h59. La famille, on prend un petit peu de temps pour vous faire un rappel, c'est très très important. Ne lâchez pas la prière. Je sais qu'il y a beaucoup de petits qui nous regardent. Là, c'est le ramadan. Vous faites sûrement la prière pendant le ramadan. Mais la prière, ça se fait toute l'année. C'est très important. Il y a 5 prières par jour en tout. Ça nous prend 30 minutes maximum. Et tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu. Dieu, il va te l'accorder. Parce que la prière, c'est vraiment la base de tout. Là, toi qui me regardes, t'es sûrement en bonne santé. T'as sûrement deux jambes, t'as sûrement deux yeux. C'est grâce à Dieu. Donc fais la prière pour remercier Dieu. Et si te manque quelque chose, si t'es malade, si t'as envie d'avoir une console, tout ce que tu veux, demande à Dieu dans ta prière. Et c'est Dieu qui va t'accorder. En plus la prière, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu fais la prière et par exemple t'es stressé, tu sens pas bien, tu fais la prière, après ça t'apaise et tout, ça apaise ton cœur. En plus la prière, quoi, ça prend 5 minutes, t'as fini, après tu peux aller jouer à ta play. Donc la famille, ne lâchez pas la prière, même après le ramadan, continuez. Et gros force à vous les gars. Chef, vu que t'as percé maintenant, tu prends une PS5, PS4? Non, ça va aller. T'es sûr? Ouais, ça va aller. Moi je veux bien, moi. Mais les gars, ça coûte 1,50€ ça. Non mais arrêtez de croire, j'ai de l'argent. Ah, il a dit 1,50€. Lève-toi, c'est pas le repos. Hein. Quoi, va me chercher des fast-food, dépêche-toi. Mais je vais où? Lève-toi, va, débrouille-toi, lève-toi. Oh là là, des fast-food, j'en prends combien? Un, deux? Va, prends beaucoup. Je prends pour toucher une famille, pour toucher une famille. Oui. Vas-y, j'arrive. Je suis parti chercher à manger la famille, le ticket de caisse, il est long comme mon avenir. Il y a du poulet, des burgers, des pizzas. Je vais leur ramener tout ce qu'il faut normalement et j'aurai rempli ma mission. La commande arrive. Je t'amène à la pizza. Thank you. شكراً. Entrez.
Oh là là, là j'ai ramé tout ce que j'ai pu. Il y a des hamburgers, il y a des pizzas. Vas-y, vraiment, j'en peux plus là. Ah, vas-y, ramboule la marchandise là, dépêche-toi. Je veux bien, mais après, c'est toi qui vas faire le yes man, hein. Tranquille, on commence ici. J'ai pas fait les choses à moitié. Porte, une haltère. Attends. Ouais, on peut faire des. On peut faire les bras avec. Wow, c'est crème lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là, My Big Mac. Waouh, regardez. Regardez-moi la taille. Regardez la taille. Pourquoi le pain il est retourné? Le pain il est retourné, il a fait un ciseau comme au foot. Est-ce que tu vas réussir à taper un croc? Genre ta bouche, est-ce qu'elle est assez grande? Non, elle est pas assez grande. Ça peut pas. Aplatis-le un peu. Vas-y, bismillah. Et ici c'est trop grand les fast-food, il y a des trucs de malade et tout est halal, on n'a même pas besoin de dire est-ce que c'est halal? La meuf elle dit oui, tu dis madame vous êtes sûre? Non. Là t'es sûr que c'est halal, c'est stylé. Il est incroyable. En plus ça va bien te caler. J'ai pas pris de frites parce que je sais qu'avec ça t'allais pas assumer. Incroyable, c'est pas sec. C'est sec ou pas? Incroyable. Ok c'est carré, donc ça c'est validé. C'est lumineux. C'est lumineux, ça c'est une nouvelle expression ça. Ensuite, nous avons ici une petite boîte. My Chicken, ça c'est un sandwich chicken. Ah mais on dirait comment il s'appelle le faux McDo là? Ah, McChicken. Big je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Je sais pas, j'ai n'importe quoi. Toi t'es en Allemagne, t'étais pas à Médine. Non mais il y a les Big Mac et tout, halal en France. Regardez-moi ça les gars, My Chicken. Bah, Big Mac halal en France il a dit ouais, celui-là je le ferai pas en vrai non? Ouais vas-y viens, ouais, lui, ça va pas. My Chicken. Toujours les grosses boîtes pour les gros mangeurs. Waouh. Ouais. Frites poulet. T'as pris ça? Oh le dame. Comment ça j'ai pris que ça? Mais tu respectes moi, j'ai pas pris ça, c'est juste l'avant goût. Oh le taram. Et là la pizza les gars, je l'ai attendu avec impatience celle-là. Toi. C'est quoi ça? Elle a fait la guerre. Il s'est passé quoi dans ta pizza? Il y a eu une bataille ou quoi? Ah regardez, il a voulu. Ah chef, regardez, il a voulu prendre une pizza. C'est quoi? Si t'as voulu prendre une pizza quoi? Chicken. Et ils lui ont fait une margherita, elle est belle. Non. Let's go, margherita. Non, mais comment je vais la manger? J'ai le papier avec. Testa, Margherita. Testa, je teste quoi? Testa, Margherita. Je m'en fiche, c'est vous, c'est le ramadan, vous avez faim. Testa, Margherita, Myriam. Vous allez dire, mange. Moi, je la mange. Arrête. Myriam, mais ça se fait pas, je ramène des fast food, c'est pour moi, tu prends. Ah là, déjà là-bas, c'était pour elle. Hein. Vas-y, teste Myriam. Mais t'as déjà un gros hamburger. Alors, laisse-moi tester. Vas-y, là, on a faim, les denrées sont rares. Ah, elle est bonne, ça se mange. Hein. Laisse ça. Mange ton burger, chef. On va voir si le poulet il est bon. On va voir si le poulet il est mêlé. Bismillah, comment il est à l'intérieur? Bismillah. Je me donne goûter. Eh les gars, on va se régaler. On va goûter. C'est incroyable. Arrivé à l'aéroport pour continuer le yes man bro. Faut que je trouve de l'eau les gars. Yacine les gars, toujours quand on va en voyage. Je trouve un parfum. Tu trouves un parfum toi? Parce que je pue. Regardez le couloir, il est grave long. De la graille. Pour le yes, ma yes, ni madame, j'ai une mission pour vous. Quoi? Vous voyez le vendeur qu'il y a derrière moi? Ouais. Vous allez le rendre fou. Vous lui demandez tous les parfums possibles. Vous lui demandez de sentir. Vous lui demandez est-ce qu'on peut acheter ça. Mais il est sur la sortie du pays. Man Secret, si tu veux pas Victoria Secret. Ah ouais. Tu vas parler anglais, hein. À l'école, faut apprendre à parler anglais. Hein. Yassine aussi, il a demandé un parfum. C'est quoi le meilleur parfum? Ça sent pas bon. Bah, demande-lui en anglais. Gucci. Sent bon. Voir. Excusez-moi. Ça va, il sent bon. Okay. Moi, je peux pas prendre ça, désolé, ça sent pas bon. T'aimes pas? Va le reposer discrètement sans. Va le reposer discrètement sans que le monsieur il te voit. Dépêche-toi. Va le reposer discrètement. Yacine, occupe-le. Okay. Occupe-le, Yacine. Elle est partie reposer. Ils sont incroyables. Sans. Ça pue. Ça bouge. Ouais, mission réalisée, moi j'achète rien. Mais Myriam elle prend ça par contre, tu lui payes? C'est 60, ça va, c'est pas mais cher. Mais t'as dit si je trouve un bon parfum, tu me le payes. Allez, c'est toi qui payes, mec. Elle a bien mérité son parfum, le mec on l'a rendu ouf. Eh, doucement, ça coûte cher, wesh. Ouais, ça sent pas bon en fait. Ah, non,